Sur ta pile en arrière. Quand les éléphants ils ont tombé sur la quille, boum! Je lise pour papa. Arles, Bouches-du-Rhône, 37 500 habitants, en 80. Paris, 743 km, Marseille, 91. Sacrifice humain en Arles. L'ancienne Arelate, la ville au marécage, fut quelque temps la capitale de l'Empire. La religion païenne y était fortement implantée. L'église de la Major fut d'abord un temple dédié à Cybèle. Diane y était adorée. C'est juste ma taille. Il fait bon ici. Frôlement, craquement. Le gel est plus mordant chaque matin. Le buisson s'est penché sous la flamme blanche d'aveuglantes roses de glace. Sur la neige superbe, triomphante, une trace de ski. C'est comme un souvenir. Il y a de cela des siècles, toi et moi, ici, nous sommes passés. C'est quoi ça? Ça, c'était un poème d'Anna Akhmatova. Mais ça? Ça? Ça, c'est parce qu'on enregistre ce qu'on dit là. Ça va Nils? Hein? Ça crapahute, hein? Ça casse du bois. Ta patte maintenant.
as failli te faire piquer au chardon avec ta corne. Au moins, il faut voir où était le chardon, ça pique plus que les orties. Les orties, ça fait un petit bouton. Allez, on est quoi? Les cheveux. Et les cheveux. Mais le rouge, il est où? Mais le rouge, il a explosé. Oh. Il y a une pion qui se combat. Raquel qui gagne. Oh, elles vont tous se combattre. Vous en volez quoi? Eh ben, ils m'ont volé mon bureau carrément. C'était ouf quoi. J'ouvre la porte le matin et je vois rien. Alors, c'est hallucinant et je crois que c'est un rêve. La drogue, monseigneur, un peu de drogue. C'est quoi ça, Nils? C'est bon la drogue. Une bêtise. C'est une bêtise? Et tu continues? Je te retourne la question, Nils. Qu'est-ce que tu fais là? C'est caca. Où je l'attrape? Plouf. Plouf, pas ta pouffe. Oh la barbouille. Oh la barbouille. J'en ai déjà usé quelques-uns et c'est une tête de tigre et donc en fait il faut découper le tatouage qu'on veut et le couler et mettre un truc mouillé dessus et compter 30 secondes, enlever-le et là pour faire le tatouage et le coller tout le monde. Normalement il faut le laisser sécher. Je crois que c'est moi qui aurais un record dans les vagues si on fait. Si on jouait au jeu. Si on jouait au jeu. Ouais, on regarde la forêt. Oh, je sais quoi. Enfin. Oui, enfin. Et si on jouait au jeu et la vague, ça serait moi qui gagnerais le plus. On les entend derrière. C'est quoi ton jeu? Je t'ai coupé le pied. Même pas. Si, tu mais non. Ça vient de Chine. Wow. Y a rien en dessous. Alors, il y a quoi dedans? L'accompagnement.
au piano. Fais attention à tes doigts, hein. Si jamais il y a un animal mort, tu refermes, ok? Ok. Oh, ça, tu vois des, là. Si y a des araignées ou des mouches, tu fais attention. Hein. Il y a une période un peu dingue où, à une époque, j'écoutais que ce style de musique. Vraiment, je pouvais plus supporter aucune autre musique en fait. Michael Haneke. Et sinon, la fin du monde? Bah, la fin du monde, voilà, je la prépare, je la fabrique. C'est trop lourd, moi j'ai un problème de dos, quand tu en as partage, je peux pas mettre grand chose. Mm-hmm. Mais ça, moi, c'est super agréable à manipuler, et c'est une petite hachette, c'est vraiment très léger. Donc t'as le côté utile, purement couper du bois, voilà, etc. Moi, si tu vois, si j'ai des doigts, je rajoute une sorte de petit camp. Après, il y a le côté un peu plus littéraire, c'est le zombie. Je le renvoie vite au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, pas tous les pas. T'es le roi des flaques, toi. Hein? Eh oui. Mais non, tu vas pas disparaître. Mais si tu tombes dans l'eau, tu vas être tout mouillé. On est quand encore arrivé, hein, à la voiture. Allez, allez vite. Bah non, pas vite là. C'est pour papa, hein, c'est pas pour toi. Papa, partage. Partage. Ciel de gris. Nils, c'est une bêtise, tu crois ce que tu fais là? Non, c'est pas une bêtise, mais là. Sauf à caramel. Soupou. Comment elle s'appelait tes chèvres l'autre jour, les trois chèvres? Il y avait Grouch, non. Mion. Mian? Oui. Non. Comment elles s'appelaient les trois chèvres que tu avais inventées? Il y avait Mouch. Non. Attention, tu t'attendais à chier. Il n'a pas traîné. Qui se met en place et après tu refais une communauté. C'est évident. Et même des mecs qui savent juste, qui savent surtout soigner, santé, etc. C'est le plus important. Je suis un explorateur, je n'ai pas besoin d'armes. Mon arme, c'est mon imagination. La forêt, on attend froid dehors. Mais dehors, c'est pas la forêt, Nils. La
des arbres. Ah oui, c'est des arbres. Les arbres dans la ville, ça fait pas la forêt. Ici, ça ressemble à une forêt. Ouais, tu peux pas monter mon lit. Enfin, allez, on avance. Tu vois dans la forêt des camions et des pompiers? Non. Tu peux pas monter. Allez, viens, on y va. Allez, Nils. J'ai passé mon enfance, j'ai passé quelques années de mon enfance tous les étés à m'emmerder dans ce match. Ah bon, alors merde, j'espère que tu vas pas t'emmerder. Je m'emmerdais pas, mais j'étais tout seul. Non, je m'emmerdais pas, mais je jouais oui, tout seul. Oui, tout seul, bah oui, et puis à un moment, ça devient une drôle d'histoire. Et donc, au milieu des machines comme ça, agricoles et tout, c'est marrant. Exactement la même chose. C'est le pinceau. Pour coller sur les feuilles. Ben, c'est pas pour coller, c'est pour peindre. Oh, encore un poisson. C'était pas mal, j'ai des histoires vraiment délirantes. Vraiment délirantes. Tout ça, ça te prend de réflexion. Escargot porte sur son dos sa maisonnette. Plus fort. D'accord. 2, 3. Petit escargot porte sur son dos sa. Plus fort. Plus fort ou plus fort? Plus fort. 2, 3. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Oh, bonne nuit, on va jamais y arriver sinon. Beaucoup, beaucoup.